Coucou les filles, coucou les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc les enfants, ça va, c'est une habitude de dire toujours ce truc, coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc voilà, si je vous dis ça va, c'est que je mens, mais ça peut aller, ok? Si vous avez des questions à poser concernant mon déménagement, l'opération, pourquoi j'ai déménagé, voilà, est-ce que c'est plus grand, est-ce que c'est plus petit? Franchement, posez-moi des questions. Je ferai une vidéo spéciale dessus. Ok? Ça me fait vraiment plaisir ou ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Donc voilà. Donc je tiens déjà à remercier Birgit pour son soutien. Donc voilà. Ça aura l'occasion de venir dans cette vidéo. Une vidéo. Christo Biz qui a eu de me demander des nouvelles sur WhatsApp. Mais comme j'ai changé de portable, je n'avais pas les messages. Et c'est quand j'ai repris mon portable, donc j'ai remis, j'ai activé et j'ai accepté tous les messages. Donc je n'ai pas encore tout lu. Donc voilà, en tout cas, je remercie déjà ces deux personnes-là et puis tout le monde, tous ceux qui prennent de mes nouvelles. Voilà. Donc là, c'est plus simple pour moi de revenir avec un call action puisque j'ai déjà filmé les vidéos du déménagement, une partie, hein, pas tout, parce que vous pensez qu'avec un bras, ce n'est pas possible. Et vous allez devoir me supporter avec souvent le même look parce que j'ai du mal à m'habiller en ce moment. OK? Parce que là, les vêtements ne passent pas ici parce que là, ça ne bouge pas. C'est comme si c'était un plat, mais un plat spécial. Bref. Allez, les enfants. Là, on va parler de un petit peu de course et déco. Enfin, je dis course, pas grand-chose, mais voilà. C'est juste histoire de revenir en douceur. OK? Allez, je vais commencer par ça. Sac poubelle classique. Donc là, c'est 20 qu'il y a dedans. 35-40. Mais on a déjà les sacs poubelles, les filles. Mais les sacs poubelles sont dans le garage. Là, une partie des coups sont dans le garage. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de prendre certains trucs en double. OK? Voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour l'apéro quand on reçoit du monde. Donc voilà, parce qu'il y a tous les gens qui nous ont aidés et tout ça et tout ça. Donc il faudra faire de l'apéro. Et puis voilà, toi. Ensuite, j'ai pris un gros papier de cacahuètes. Et quand j'ouvre, je vous montrerai ce que je fais avec quand je les ouvre. J'ai pris Nutraisin. Donc là, celui-là, il est à 99 centimes. Il n'est pas tellement cher. Il n'est pas cher du tout. Celui-là, pistache, il est à 1 € et quelques. Donc, j'ai jamais goûté à ma connaissance, je ne sais pas. Donc, j'ai pris parce qu'il y avait pistache. Ensuite, celui-là, c'est. J'ai pris 2 au raisin, 99 centimes. Et ça, c'est le plus cher, il a 2,19 €. Parce que je pense que c'est parce qu'il y a le cambéry et tout ça. Mais j'ai pris un seul paquet pour ça. Ensuite, j'ai pris ces deux trucs-là. Je n'ai pas pris plus parce que j'ai l'intention de le faire moi-même. Donc, ce sont des trucs au chocolat comme ça. Donc, c'est des carrés de chocolat. Ça coûtait 1,49 €. Voilà, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Donc, j'en ai pris 4. C'est si j'ai une collègue qui m'a beaucoup aidé pour le déménagement. Il faut que j'évite à prendre un goûter à 4 heures. Donc, voilà. Et je sais qu'elle a dit qu'elle aime ça. Moi, je n'aime pas ça. Donc voilà. Donc, j'ai pris ça pour elle. Peut-être Nanou va prendre un pour lui et Bibi. Et l'autre. Pour ma collègue. Ensuite, en général, je n'achète jamais ça chez moi, du cappuccino. Donc là, celui-là, c'est Mac Up Coffee. Donc, ça doit être du café au lait. OK? Du café au lait. Et là, c'est du cappuccino. Pourquoi j'ai pris du cappuccino? C'est vrai que Nanou a une de ses filles qui est passée. Nanou lui a donné du cappuccino, mais le problème, c'est que le cappuccino était périmé. Donc, je les ai gardés, parce que c'était chez Nano avant. J'ai gardé le cappuccino périmé, parce que je le prends et je le verse dans le levier pour que ça sente bon. Que ça sente une odeur, quoi. Au lieu de jeter dans la poubelle directement, je le verse dans le levier, tu l'ouvres au lot et ça fait une petite odeur de cappuccino. OK? Donc, du coup, j'ai vraiment pris, si jamais quelqu'un passe, qu'est-ce que tu veux un café cappuccino? Mais ce n'est pas des trucs que je bois chez moi, d'accord? Donc là, nous, vu que voilà, j'ai pris ça. Les paquets sont bien par rapport au chocolat. Le chocolat, le paquet est plus gros. Ça fait le double. Donc je trouve que ça en dosette, c'est bon.
2023, donc il n'a pas le temps de périmer, parce que moi je fais toujours attention à que mes trucs ne périment pas. Ok, ça doit coûter. Et le chocolat, ils en vendent plus, ça m'énerve. Donc voilà, donc j'ai pris deux. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore? Bon, on va laisser ça là. Pour... j'ai oublié ça. J'ai pris ça pour la décoration de mes... Bon, la décoration. Pour mes rangements, make-up. Parce qu'il y a plein de choses qui vont changer. Il y a... Posez-moi les bonnes questions. Regardez. Donc j'ai pris ça. Donc c'est vraiment l'imitation de chez Ikea, mais en plus mou, en sachant qu'il est déjà dur. Donc ça vaut le coup. Il est encore plus mou, mais moi celui-là il est bien. 99 centimes l'unité. Donc j'en ai pris 3. Donc ça me suffit. J'ai pris aussi encore ça, parce que j'ai ça dans ma cave. Et enfin, dans ma cave, dans le garage. Et j'ai pas encore... où se trouve tout ce qu'on a ramené, mais ça c'est un gros problème, parce que là on peut vous dire qu'on a du contenu avec on a des choses avec deux appartements déménagés. Ok, donc j'ai pris ça, ça coûte 3,30 €. J'ai pris ça pour changer un meuble dans la chambre, et on avait déjà acheté ça aussi pour des tables de chevet. Donc chez Action ça coûte 4 €, je crois. Ok, donc, voilà, je voulais changer les poignées, donc j'ai pris ça. Ensuite, ça les enfants. Donc il y en a plusieurs. Il y a les roses, etc. etc. Donc celui-là, j'ai pris ça. Tu as le gris, tu as le bleu, tu as le vert, tu as le jaune. Et je l'ai pris surtout pour le rouge. Je vous expliquerai qu'est-ce que je fais avec et pourquoi et comment je les utilise. D'accord? Vous avez les roses aussi. J'avais acheté le rose, mais Nanou l'a déjà ouvert. Donc, c'est pour utiliser et chaque couleur son coin. OK? Ensuite, ce qu'on a pris encore, ceci. Des coussins pour le canapé. Parce que tous les coussins sont dans le garage. Mais Nanou veut les jeter. J'ai dit non. On va les prendre, on va les laver. Et je vais juste acheter des housses pour mettre dessus. Parce que là, c'est du gaspillage pour rien. OK? Donc, j'ai pris cette couleur-là. Elle coûtait 5 €. Ouais, bref. Donnez 5 €. Gris. Et orange. J'adore la matière. Franchement, j'adore la matière. Et là, je vais les mettre à laver. Attends, je vais vous dire combien j'ai payé ça. Si c'est le bon ticket, hein, parce qu'on avait plusieurs tickets. Spectrum, pain, sol, coussin. 5,95 € l'unité. Donc voilà. Donc voilà les enfants. Ensuite, et aussi du café comme ceci. Donc j'ai pris ça pour Nanou. D'habitude on le prend ailleurs, mais là c'est pour qu'il puisse emmener au boulot. Donc ça coûtait, je sais pas, je m'en rappelle plus le prix. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour la vidéo. Ok. Donc c'est tout pour la vidéo, pour ce petit, cette petite entrée. Après un bon moment, et je peux me lever et aller vous montrer quelque chose, mais vous allez voir la déco, parce que j'ai fait les petits trucs, vous allez les voir petit, petit à petit. Je vais juste vous montrer ce que je mange. Attendez. Bon, là, c'est toute une galère pour juste que je puisse vous montrer le manger dans le four. Je vais faire demi-tour. Ah, on ne peut pas. Attendez, ça vous montre le noir. Attendez. Donc, voilà. Donc des paupiettes de dinde, j'en ai fait plusieurs, comme ça, ça sera pour demain aussi. J'ai acheté 4 baguettes, ok, 2,99 € les 4 baguettes. Donc les enfants, c'est tout pour la vidéo, hop là, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche. Donc merci, merci, merci à vous. Et Brigitte, c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un qui déprime souvent. Mais là, si tu savais les galères, my goodness, enfin, les galères. Quand tu as le bras comme ça, oui, galère. Donc là, ça va un petit peu mieux là, j'ai pris le cachet. Demain, je vais en urgence à 9 h du matin. On part à 7 h 15 pour aller voir le chirurgien parce que voilà.
Ok? Donc, les enfants, gros bisous à vous. N'oubliez pas de liker, de partager. Si tu n'es pas abonné, bienvenue. Abonne-toi, c'est gratuit. Et voilà, et voilà. Lady Cosette, bisous à toi. Bisous à Isa. Bisous à Mastocop. Bisous à Célia. Bisous à tout le monde. Ok? Gros bisous. Bye bye. Regardez, bye bye. Bon, je fais ma fière, mais hier, je ne bougeais pas mon doigt comme ça. Donc, le pouce, par contre, ça s'est empiré. Hein. Regardez, je ne peux pas vraiment le bouger, ça s'est empiré. Allez, gros bisous les enfants. Bye bye. À pistache.